Et salutations à toutes et à tous, c'est Dokchi. Et aujourd'hui, on va se retrouver donc pour une toute nouvelle vidéo, encore une fois, avec Lara Oswald dans Hogwarts Legacy. Aujourd'hui, je compte possiblement continuer donc à faire la plainte, à faire une quête principale, ainsi qu'on va essayer de faire les devoirs, parce que ça reste très important, les devoirs à faire. Donc, on va commencer ici par la quête principale, qui va nous débloquer le sort Aleomora. Donc allons-y de ce pas. Donc encore une fois, on est toujours bien sûr dans la salle sur demande. Je vais juste baisser un peu le son du jeu. Je suis désolé si aussi je renifle, c'est parce que j'ai un peu le nez bouché. Allez, pas où il faut aller par ici. Lumos. Un peu sombre ici. Ça va pas besoin de se téléporter, ça a pas l'air si loin que ça. Donc allez, on va voir à quoi ça va nous servir. Et ce jeu reste quand même toujours aussi magnifique, je trouve. Même si on a parfois des chutes de FPS, et ça c'est lié au fait que les cartes graphiques ont besoin de plus de VRAM que 8Go malheureusement. Parce que c'est la qualité en fait des textures qui empiète à ce niveau là. Donc nous y sommes presque évidemment. D'ailleurs j'ai peut-être envie d'aller voir la grande salle. Si on est en période d'Halloween. Salut. Ah, Garrett qui aurait besoin de moi. Pour aller voir la grande salle en période d'Halloween, ou pas si elle change. Non. Pas de décoration d'Halloween par contre. Voilà. Quel plaisir de vous revoir. Il me disait bien qu'il y avait une flamme de cheminée que j'avais oubliée ici. Par contre des bras il est pas allumé. Incendio. D'ailleurs, je vais plutôt utiliser Confingo. Confingo. Je le préfère à Incendio. Rebonjour, Monsieur Moon. J'espérais bien vous revoir, je l'avoue. Gladwin Moon, concierge de Poudlard. À votre service. Veuillez d'abord m'excuser si je vous ai paru quelque peu instable la dernière fois. Je venais de faire une rencontre des plus troublantes. J'ai cru comprendre que votre visite à Préaulard avait également été augmentée. On peut dire ça comme ça. Je ne m'attendais pas à une attaque de trolls, c'est vrai. Évidemment. De ce qu'on m'a dit, le village a eu de la chance que vous soyez là. J'espérais d'ailleurs croiser votre route depuis ma dernière visite à Préaulard. J'aurais bien besoin de votre aide. Avez-vous remarqué cette étrange statue? Notez ce qui se passe quand la nuit vient remplacer le jour. Si je peux me permettre ce conseil, essayez de retirer la lune de la statue. Ce sont de drôles de petits dispositifs, non? Apparemment, la statue disparaît quand on en retire la lune. Ce qui, soit dit en passant, n'est possible que la nuit. Pourquoi ne pas garder celle-ci pour l'instant et je vous en dirai plus en marchant. Depuis ce jour tragique au village, ces curieuses statues ont commencé à apparaître près du château. Un certain nombre d'entre elles ont même atterri non loin de Préaulard. Quelqu'un essaie de me tourmenter. J'en ai peur. Voyez-vous, ce jour-là, à Préaulard, je me suis retrouvé nez à nez avec un épouvantard. Une créature capable de changer de forme. En l'apparence de ce qui vous effraie le plus. Celui-ci a pris la forme d'une demi-guise.
Une demi-guise ? Oui, une créature terrifiante qui peut prédire l'avenir. C'est très déconcertant. J'en ai rencontré une quand j'étais jeune, en Corée. Une expérience traumatisante. Ces statues sont des demi-guises. Les lunes, j'imagine, ne sont qu'un jeu de mots peu inspiré avec mon nom, qui signifie... Des chenapans se sont servis d'un épouvantard pour apprendre ma plus grande peur et s'en servir contre moi. J'ai une petite idée de l'identité de la crapule ou des crapules concernées. J'espère bien que la disparition des statues les poussera à commettre une erreur. C'est pour cela que j'aurai besoin de votre aide pour faire disparaître ces statues. Pourquoi moi ? À vrai dire, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vos valeureux exploits contre ces trolls créolards prouvent que, pour votre âge, vous ne manquez pas de courage. Ensuite, aussi macabre et hideuse que soient les demi-guises, beaucoup de gens estimeraient mon aversion pour elles injustifiée. Mais vous, vous avez vu qu'elles m'affectaient tout particulièrement. Je ne sais plus quoi faire. Je n'arrive pas à trouver la force de m'en approcher. En fait, je sais qu'il y a deux statues ici, dans la tour des professeurs. Vous pourriez peut-être commencer par les enlever, afin que je puisse accomplir mes tâches du soir. Je vous aiderai volontiers, Monsieur Moon. Je savais que je pouvais compter sur vous. Bon, vous savez lancer un sortilège de désillusion, je crois. Hein ? Vous devrez le faire avant d'entrer dans la tour de nuit. Ensuite, vous verrez que la porte est verrouillée. Comment entrer, me direz-vous ? Avec Alohomora, bien sûr. Et pour le couvre-feu ? Le couvre-feu ? Allons ! Vous me rappelez un peu, moi, à votre âge. J'étais comme chez moi, à Poudlard. Et j'en profitais au maximum. Tout le monde admirait ma témérité. C'était le bon temps. Vous trouverez une statue dans la salle de bain des préfets et l'autre dans l'infirmerie. Bonne chance. On va envoyer. Merci. Oh, sympathique ce jeu de outils, par contre, le nombre de trucs. F. Clic gauche, clic droit. Alors. Ah non, c'est qui ça, passif. Donc, enfin, c'est un essentiel. Alohomora. Alors, on va faire ça, on met ça là. Bravo, c'est ouvert. Souvenez-vous, avec un sortilège de désillusion, personne ne vous verra. Cette partie du château est un peu vide, malgré tout. La question, est-ce que j'ai pas un talent à mettre quelque part ? Non. Pas grave. Après, on ira faire les devoirs, évidemment. Comment sont vos élèves ? Décevant, je dois dire. Vraiment ? Faut que je monte tout en haut. Ce doit être la salle de bain des préfets. Je m'attends à tout à l'intérieur de la salle de bain des préfets. J'espère qu'il n'y aura pas tout le temps ce mini-jeu et que c'est que pour la quête. Hein. Alohomora.
Coffre déverrouillé. Le but de ce cours. Elle a raison. Pourquoi tu l'as Troll. Oh, tu parlais comme ça à une préfète. Moi aussi, je suis préfète. Mais bien d'autres embûches et périls les amènent jusqu'à moi. Bon, je suppose que je devrais me remettre au travail. Chose. Je dis bien. Enfin bref, j'avais de grands espoirs pour Pouf Souffle. J'avais enfin décidé d'apprendre les règles du Quidditch. C'est un corps très honorable. Il représente tout ce qui compose la condition humaine. Comment ça? Eh bien, tout le travail d'équipe et le fait de... Réveillon. Ça est toujours là, on sent quoi? Ne vient pas. Bonjour, Monsieur Moon. J'ai les lunes que vous m'avez demandé de trouver. Juste ciel, vous ne manquez pas de courage. Excellent. Récoltez-en d'autres et nous pourrons peut-être découvrir qui se cache derrière tout ça. Mes soupçons se sont d'abord portés sur Peeves, dont les bouffonneries ont poussé Aigron Carpet, mon prédécesseur, à prendre sa retraite anticipée. Mais cela n'explique en rien la présence de l'épouvantard après Préolard. Avec votre aide... Je suis déterminé à découvrir l'identité de mon tourmenteur. Je vais voir ce que je peux faire, mais j'ai beaucoup à faire. Je ne vous promets rien. Très bien. J'espère néanmoins que vous trouverez le temps. Si cela devait vous motiver, sachez que votre aide sera dûment récompensée. N'oubliez pas que les lunes ne sont visibles que la nuit. Je vous encourage donc à utiliser le sortilège de désillusion.
Compris. Je continuerai d'ouvrir l'œil. Je vous remercie. Bon. J'ai eu raison de vous demander de l'aide. Continuez afin que nous résolvions ce mystère. Mais... nous allons avoir ça. Faire des quêtes. On va d'abord aller chercher Breuvage et on va faire cette quête là. Et on fera d'une pierre deux coups parce qu'on ira chercher après un troll. Mais avant ça, on avait une tenue en plus. Évidemment, vu qu'on doit se battre avec classe. On garde les choses. En plus, il va falloir que je revoie des choses. Bon, ça tombe très bien. Alors, carte, donc on doit aller à Priolar pour aller chercher Abreuvage. J'ai potion pipa. J'ai pas l'impression que toutes les routes mènent à Priolar. Je m'excuse pour avoir été annulé. Bienvenue. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin d'aide. Oh, bien. Ouvrage 1012. Ah oui. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. 1000. Ouf, 1000 galions pour la potion. Ah oui, il n'y va pas de main morte avec ses prix. Alors, je vais juste regarder mes petites fiches. Mais non, en fait, je suis bête, je peux... J'espère vous revoir très vite. Bientôt. Alors, Breuvage... Que puis-je pour vous aujourd'hui? Vous savez quoi, on va l'acheter. J'ai pas assez pour l'acheter. Déjà prête. Bon, étant donné que je ne sais pas encore ce que c'est, on va l'acheter déjà prête. C'est une sage décision. Merci. Ça, on aura la recette. Oui, évidemment, bah oui. J'ai aucune de ces... aucun de ces éléments. Ce n'est pas grave. Au moins, on l'a et on saura pour la prochaine fois qu'il nous faudra plus de galions. On doit aller juste ici pour faire la quête. Bon, on va devoir y aller à pattes, puis au balai. Préolar, me voilà. Confringo. Ah, je suppose qu'il faut péter tous ces ballons. Okay. Ça permet d'avancer un petit peu sur la défi, donc c'est tout bénef.
qu'est-ce que j'aimerais bien faire du Quidditch. En somme, ils auraient pu le mettre en mini-jeu, mais peut-être que c'était trop dur. On ne saura jamais, hein. Après, la justification, voilà, in-game, est assez convaincante, on va dire. Fantastique. Rébellion. C'est pas si ça compte pour les défis, d'ailleurs, ça. Exploration, je crois que c'était... Oui, écoutez, ballon. Non, il n'y a pas l'air que ça compte pour les défis. C'est pas grave. On va aller voir le professeur Kogawa. Vous avez mené à bien vos différentes tâches ? Madame Kogawa ? J'ai terminé la liste de tâches que vous m'avez données. Merveilleux! Je constate que vous maîtrisez de mieux en mieux votre balai. Oui, professeur. Je suis ravie de l'entendre. Continuez, et peut-être qu'un jour, vous ferez partie de l'équipe de Quidditch. Si Black autorise le Quidditch un jour. Bien, maintenant que ces tâches sont effectuées, nous pouvons commencer. Glacius. Alors, Glacius. Concentrez-vous sur vos mouvements de baguette. Voilà, un nouveau sort. Let's go. Très bien. Et voilà. Ok. Bon, on va quand même garder les vieux sorts. Hein. On va essayer d'aller trouver un troll maintenant. Alors. Carte du monde, je crois qu'il y avait un endroit avec un troll pas loin. Alors... Faudra peut-être que je me balade dans la forêt interdite. Je ne sais vraiment pas où il y aurait un troll. Ah, repère de troll, ça ressemble à ça, ok. Alors, fouillons la carte. Non, ça c'est coffre au trésor. Coffre au trésor. Sérieusement, il n'y a pas de repère de troll pas loin ? Bon bah, c'est pas grave. Hein. On va aller là-bas. Que voulez-vous ? Et aujourd'hui, on va juste faire cette petite quête principale plus ces trois devoirs. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de... Je vérifie quand même qu'il n'y en ait pas plus près. Pourquoi une barrière magique ici? Ah, mais on est plus près de repère de troll, je crois. Ah, en plus, c'est juste à côté d'une épreuve. Ah, il y a deux trolls. Ah, mais attendez, il y a quelque chose à bloquer ici. En plus de ça, il y a un coffre. Bon, j'espère qu'ils sont pas trop haut level. Hein.
J'ai pas vu pourtant. C'était chaud. C'était très dur. Faudrait vraiment avoir du meilleur matériel pour pouvoir faire ça. Parfait. Mais au moins, je crois que j'ai de quoi terminer les deux devoirs. On aille, oui, c'est bon. On va juste faire un petit détour ici. Ah, pour remplir des potions. Quoi ça? Ah, il y a une épreuve. Il y a tout ici en fait. Ouh, on va faire ça. On va faire ça en vitesse. Que me réserves-tu cette fois? Rébellion. Ouais. Ces épreuves de Merlin ne résisteront pas. Un peu chiant par contre sur les cinématiques à chaque fois. Mais ça m'énerve parce que je pense que j'avais suffisamment d'objets pour faire la recette. Oh, de toute manière, j'aurais dû en plus les faire. Dommage qu'il n'y ait eu personne pour me voir faire. Intéressant. Et il y a encore un trésor ici. Quoi ça? Confine-toi. Et on va essayer de trouver. Rébellion. L'entrée pour l'autre truc. Quoi ça? Confingo. Action. Attendez, il y a des flammes. Rébellion. Ah, peut-être que. Wingardium Leviosa là-dessus. Wingardium Leviosa. Ah non, là-dessus. Ok, j'ai vu. Wingardium Leviosa. Attends, je suis sur ça. Et elle est où la porte? Ah, elle est là. Ça m'intrigue. Lumos. Rébellion. Tout ça, on a eu une nouvelle cape. Bien meilleure, je suppose. Non, même pas. Même pas bien meilleure, mais relativement meilleure, quand même. On va mettre cette cape. Hop. J'ai résolu un défi, y a l'air, et un combat. Quoi ça? Ah ok, j'ai découvert ça. Bah, c'est bien ça. Du coup, on retourne dans la carte. On dépingue ça. Ok. Quête. Devoir du professeur Sharp.
on va lier de fait. Donc, pour la potion. Ça, la salle de potion. Hop là. Parce que j'aimerais bien essayer de faire en sorte que la vidéo soit un peu plus courte. Parce que sinon, ça va être un peu long à force. Ah, mais attendu, je peux. Allô, Omora. Ah, mais y'a plus rien à prendre en fait. Zut. Avez-vous terminé vos devoirs ? J'ai terminé ce travail, professeur. Eh bien, j'espère que vous vous appliquez. Les raccourcis mènent bien souvent à des déceptions. Je l'ai vécu. J'aurais dû acheter la recette et pas la... Oui, la potion. Bien sûr. Bien. En temps normal, j'aurais dit que je m'en moque éperdument, mais vous... Je veux vous préparer comme il se doit. Le talent et la volonté forment un duo redoutable. Il serait dommage de ne pas en tirer parti. Merci, professeur. Tâchez de ne pas prendre la grosse tête. Bon, voyons votre Diffindo. Préparez votre baguette. Concentrez-vous. Diffindo peut être dangereux si vous ne prêtez pas attention. Et on va modifier un peu tout ça. Rodifindo et Glacius. Je pense que vous avez compris. C'est un plaisir d'avoir une élève qui suit scrupuleusement les consignes. Ah, je level up même pas. Oh oh. Allez, on va aller voir. Ah. Ah oui, ok, d'accord. Est-ce que je vois des messages au niveau du Yu Expressway Kagawa ? C'est pour le devoir. Mais on va aller terminer notre devoir qu'on a fait. Le professeur Odai. J'ai malheureusement pas de... Quoi de téléportation à côté. Quel plaisir de vous revoir. Par contre, je pense que comme je suis parti, malheureusement, je vais devoir quand même faire des missions secondaires en dehors des vidéos. Sinon on sera jamais sorti de l'auberge. Donc tout ce qui est trame principale, évidemment je le ferai avec vous, mais par contre les missions secondaires, pas les devoirs par contre, et missions secondaires comme pour améliorer Alomora et autres, ça je les ferai hors vidéo, parce que sinon ça risque d'être un peu beaucoup trop long. Tout ce qui est quête FedEx en soi. Hors quête principale. Par exemple ici je vais vraisemblablement passer un peu de temps pour essayer de farmer en guillemets la magie noire. La magie noire, donc ce genre de la magie ancienne. Pour pouvoir tout débloquer. Enfin, débloquer au moins le maximum quoi. Parce que 3 barres, c'est ok, mais en avoir plus, ça serait mieux, quoi. Rébellion.
J'espère que ces devoirs ne vous ont pas senti. J'ai terminé toutes mes tâches, professeur Onaï. Très bien. Même si je dois l'avouer, j'avais quelque peu pressenti que vous honoreriez votre engagement. Maintenant que les tâches que je vous ai confiées ont affûté votre perception, je me pose une question. Puisque vous savez que le présent, et même le passé, peut être révélateur de ce qui vous attend, que pensez-vous que l'avenir vous réserve ? Alors... Je vais dire un danger, parce qu'avec tout ce qui se passe à Cranrock et ainsi de suite... Je n'arrive pas à me défaire de cette sensation d'un danger imminent. Je vois. Ces présages ne sont pas une condamnation, mais ils ont au moins le mérite de vous préparer à ce qui vous attend. Et sachez que vous vous préparez en ce moment même. Mais ces considérations ne doivent pas nous faire oublier votre succès présent. J'informerai la directrice adjointe de votre performance tout à fait exemplaire. Et si cette performance est un aperçu de ce que l'avenir vous réserve, alors pour ma part, je vous prédis de grandes choses. Ok. Canalisez votre magie vers votre cible. Dissendo, c'est sûrement pour faire descendre les choses. Par exemple, j'utiliserais bien ça en combo avec Livioso. Et maintenant, pourquoi ne pas essayer ? Donc, on va mettre là. Livioso, on va le mettre là. Livioso... Comment ça s'appelle déjà cette chose ? Livioso et Axio, pardon. Donc, je fais ça. Je crois que vous avez compris. Ok. Eh bien, ce sera tout pour cet épisode. Parce que, bon, 39 minutes. Je suis quand même tenté d'aller faire le deuxième devoir de Kogawa. Comme je vous dis... Bon, allez, on va le faire. Ça va pas être si compliqué que ça. On va sur la carte. Carte du monde. C'est pas la forte à côté non plus. Ah d'ailleurs, on va peut-être revoir le gobelin que j'ai aidé précédemment dans une précédente vidéo. L'endroit semble être assez agréable. Est-il toujours là, mon gobelin ? Non. C'est pas grave. On va faire la mission de Madame Kogawa. Enfin, le devoir, plutôt. Comme je vous dis, entre cet épisode-ci et le prochain, ce que je vais essayer de faire, c'est farmer un peu de... Comment ça s'appelle ? De... Quête secondaire, va-t-on dire. Et voilà. Bon désir, c'est ouf. C'est pas loin de moi, il y a l'air. Où est-ce que c'est ? Par contre, la carte, elle est immense, hein. C'est juste là. Donc on y va, on fait la quête de Kogawa. Ben, le devoir. Qu'est-ce que vous mijotez ? Ah ben. Et voilà, comme ça. Ensuite, on retourne voir Madame Kogawa. Alors, Kogawa, là-bas. Et ce sera tout pour cette vidéo.
Et je vais aussi essayer de farmer des galions et me refaire du stock de... Avez-vous fini vos devoirs ? Potions de santé. Me revoilà, professeur. Tous mes devoirs sont finis. Félicitations. Vous faites preuve de discipline. Vous savez ce que l'on dit. La sagesse est un vif d'or. Et vous avez prouvé vos compétences en la matière. Entraînons-nous à Aresto Momentum, un sortilège qui a d'ailleurs été créé pour empêcher les souafles de tomber directement au sol lors d'un match de Quidditch. Oh, intéressant. Des mouvements précis et assurés. Alors. Je pensais que j'étais pas sur la bonne trajectoire, c'est bon. Aresto Momentum, un M. Évidemment, on va l'essayer. Arrêtez-vous. Très bien. Sympathique. Et sur ce, c'est ici qu'on va se laisser. Mais avant tout, j'ai vu qu'on était bien avancé, donc on peut prendre un point de talent. Donc je pense qu'on va améliorer ça. Évidemment. Donc sur ce, ben, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Dès la prochaine vidéo, je vais essayer de faire un peu plus de défis concernant donc la magie ancienne. Donc si je crois dans l'exploration. Ouais. Donc je vais essayer de le faire. Je vais essayer aussi d'améliorer ceci. Donc les épreuves de Merlin. Les épreuves de Merlin, je ne vous garantis pas que je le fasse, mais je vais essayer. La magie ancienne, donc si vous voyez des barres supplémentaires, ce sera tout à fait normal. Et je vais aussi faire en sorte d'avoir plus de potions Wingerweld et de Galion. Comme ça, je pourrais améliorer la salle sur demande et on pourra continuer à explorer et continuer la quête principale. Parce que là, aucune potion Wingerweld, c'est un peu compliqué. Donc je vous souhaite donc de passer une très bonne soirée, une très bonne journée. Tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo, ça me ferait plus grand plaisir. Et sur ce, je vous dis ciao, bonsoir, à vous les studios.